Go. Bonjour Ilan, comment allez-vous? Très bien, et toi? Merci, grand merci pour votre temps. Avec plaisir. Depuis combien de temps faites-vous cette fonction chez Hays et que avez-vous fait avant? Donc ça fait à peu près presque 6 mois maintenant, ça fait encore 5 mois et presque 6 que je suis chez Hays. Avant, j'ai fait un bachelier en économie et un master en wealth management. Donc rien à voir avec le recrutement, mais voilà. D'accord. Et comment avez-vous atterri chez Hays dans le job de recruitment consultant? Ben, mon frère travaillait dans le recrutement. Je lui avais demandé c'est quoi les gros noms du recrutement en Belgique. Il m'avait donné Hays et du coup voilà comment j'ai atterri chez D'accord. Et pourquoi vous avez choisi Hays plutôt qu'une autre entreprise? Hays. J'avais le choix entre plusieurs entreprises, mais ce qui a vraiment joué, ben, c'est j'ai rencontré le branch manager du bureau de Bruxelles qui s'appelle Mathieu Vandenbusch. Et j'ai un peu parlé avec lui de son management, de comment il voyait le management. Et c'est clairement ce qui a fait la différence. Dans les autres, il y avait beaucoup de micromanagement, où on va être derrière votre dos pour un oui ou pour un non, et on va te dire de telle heure à telle heure, tu fais ça et rien d'autre. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est assez libre. On nous demande d'atteindre des résultats, mais avec une grande liberté dans nos actions, et c'est ça qui est important selon moi. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi cette fonction? Parce que le recrutement, pour moi, c'est peut-être la meilleure école de vente qui existe. On vend les candidats aux clients, on vend les sociétés des clients aux candidats. Il y a aussi beaucoup de négociations, négociations de contrats, négociations de salaire, etc., qui est une partie très intéressante du job et qui est selon moi la meilleure partie. D'accord. Et quel est le trajet que vous avez déjà fait chez Hays? Du coup, l'année passée, j'ai été élu meilleur nouveau consultant de l'année. Ça a été pour moi une grande fierté d'avoir ce titre. Voilà, même si je reste un junior consultant, je sens que je m'améliore de semaine en semaine. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on apprend à s'organiser, on fait des erreurs, on change. On a une grande liberté par rapport à ça, et c'est ça qui est génial ici chez. D'accord. Et qu'est-ce qui se rend ce travail si chouette pour vous? Mais c'est que vraiment une semaine ne ressemble pas à une autre, une heure ne ressemble pas à une autre. On peut clairement le matin faire du commercial, l'après-midi rencontrer des candidats et entre-temps avoir fait de l'administratif. C'est vraiment chacun à sa sauce. Il y a vraiment cet aspect sales qu'on retrouve à chaque instant de notre journée. Et c'est vraiment ça qui rend une journée excitante et pas monotone. On ne fait pas la même chose toute la journée et on ne lit pas des rapports toute la journée et c'est ça qui est génial chez. D'accord. Et dernière question, qui devrait être intéressé pour cette fonction? Ben, tous les gens qui ont plus un esprit commercial, un esprit créatif, quelqu'un d'analytique serait très bon aussi, mais je pense que le mieux c'est un esprit créatif qui lâche rien. C'est important parce qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans le recrutement, mais qui est résilient, qui est voilà, assez orienté résultat et qui a envie de ce contact humain aussi avec les candidats, etc. Ok, d'accord. Grand merci pour cette interview Avec grand et plaisir. bonne chance. Merci beaucoup.